dois bien avouer que je m'attendais pas à ce que le réparateur soit un robot géant. Peut-être que quand il n'a pas affaire à des pirates, il se montre plus amical. Un robot géant amical? Ce serait bien une première. Pourquoi pas? Il s'avérait que le quartz phasique était irréparable. Eh ben, on serait dans de beaux draps. Mais inutile de s'inquiéter avant de savoir. Ah, je me sens aussi vexé qu'excité. Ici, le pavillon. Et pas les autres. Il faut absolument qu'on s'arrête avant qu'ils atteignent le réparateur. Thank you.
Comment allons-nous réparer le réparateur? Dans un premier temps, on va le mettre en main. A-t-il été éteint parce qu'il était défectueux? J'imagine que c'est l'interrupteur du réparateur. Bonjour! Est-ce que... ça va? Non! Je suis défaillant. Tout est défaillant. Je ne peux plus rien réparer. Concentre-toi sur le glisse-oreille, Rivette. Ah! Au moins, on est débarrassé des pirates. Concentre-toi sur le glisse-oreille, Rivette. Si il continue comme ça, il va tout démolir. Attention, des gravats. Vous l'appelez le destructeur maintenant? Je vois que toi aussi tu es défaillant. Tu dois accepter ta défaillance. Est-ce qu'il parle de moi? À cause de ton bras? Ne l'écoute pas, Boulon. Si toi t'es défaillant, alors moi aussi. Et je me trouve plutôt cool comme ça. Si t'as une idée, c'est le moment de la partager avec toi. Parce que moi, j'ai du mal à réfléchir avec ce satané robot géant qui veut à tout prix nous écrabouiller. J'y travaille activement. La mine s'effondre. Réparer cette illuminité? Mais je ne mérite pas l'illumination. Je suis totalement déçu. De sagesse. J'ai peut-être une idée. Je t'écoute. Je suis défaillant. Je ne peux ni réparer, ni être réparé. Tombe pas, tombe pas, tombe pas. Oh non. Mais pourquoi il faut toujours que tout s'effondre autour de nous? Je suis réparé. Qu'est-ce que tu fabriques? J'improvise. Je suis peut-être différent, mais je reste moi. Je suis toujours Clank. Tu m'envoies soulager. Quand les Vullards m'ont demandé de les protéger, j'ai pris conscience de l'existence de nombreuses défaillances. De tant de défaillances. Ce qui vous a perturbé. Mais être capable de réparer autrui, de voir que tout n'est pas perdu. Comment puis-je vous témoigner ma reconnaissance? Pouvez-vous réparer ceci? Merci. Vous venez de redonner de l'espoir à un vieux robot géant. C'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Et si on retournait au vaisseau maintenant? Oui. Un instant. Chouchou!
mignon. Alors. Oui, j'espère que Ratchet n'a pas eu autant de mal à fabriquer un nouveau dimensionnateur. Au fait, tu es au courant que tu m'as sauvé la vie sur ce coup-là. Qui, moi? Oui, toi. T'as l'étoffe d'un héros, même dans ma dimension. C'est... merci. J'espère que Ratchet n'a pas d'ennui. C'est un océan. Ça en jette, hein. Et en plus de ça, une fois qu'on aura construit l'engin et sauvé la dimension, tu auras tout un univers à explorer. Tu n'as donc jamais peur de l'avenir? Et de toutes ces inconnues? Si, ça m'arrive de... Oh. Sur Savali, tu m'as demandé si je voulais retrouver ma famille. Ça a été le cas, pendant un moment. Je voulais vraiment les retrouver. Mais plus je me rapprochais de mon but, ils ne sont peut-être pas comme je les imagine. Ou alors c'est moi qui suis différent de ce qu'ils imaginent. C'est juste... Enfin bref. Je crois qu'on arrive. La station Kedaro est le centre de recherche secret où se trouve la seule forge à rubion assez puissante pour fabriquer le dimensionnateur. Si je comprends bien, on n'a pas droit à l'erreur. C'est bon à savoir. C'est le loupac! Activation du verrouillage! On dirait que l'ascenseur descend. Eh ben, j'espère que c'est pas le seul moyen d'entrer dans la station. Passer par l'entrée principale avec ce verrouillage. Explorons les environs. Il y a forcément une autre entrée. On dirait du blison, un élément permettant de stocker de l'énergie. Mais, je le savais, le blison a dû absorber l'excédent d'énergie libéré par le chaos dimensionnel. Nous avons basculé dans une autre dimension. Une dimension abandonnée à ce voie. L'ascenseur est là. Moi non plus, je n'ai jamais rencontré ma famille. Sauf si on compte l'empereur, bien sûr.
Mais dans ce cas, je doute qu'on puisse faire pire. T'as sûrement raison. Mais même si les Lombax sont la meilleure famille de l'univers, ce qui m'embête, c'est que je risque malgré tout de les décevoir. Toi ? Mais tu es un héros. C'est vrai que j'ai réussi à vaincre 2 ou 3 méchants, mais eux, ils ont inventé tellement de trucs incroyables. Tu te sous-estimes, Ratchet. Je sais pas, peut-être, mais j'ai une super vie dans ma dimension, Kit, et je voudrais surtout pas la perdre. Maintenant que j'y pense, si la station Kedaro existe dans cette dimension, ça veut dire qu'on trouvera aussi la porte à Rubion, non? C'est possible, mais tout est délabré ici. Elle ne fonctionnera peut-être pas. Mais si on trouvait un autre cristal de Blizon, on pourrait retourner dans l'autre dimension. Imagine l'horreur de se faire dévorer par ces choses gélatineuses. Je suis sûr qu'elle ne t'aurait pas dévoré. Oh, c'est facile. C'est verrouillé. Allez, on continue. Ah, pardon. Je me suis trompé de cible. C'est drôle, non? Est-ce qu'il va bien? Moi, c'est Ratchet. Oh, c'est merveilleux. Bonjour, Ratchet. Est-ce que tu me cherchais? Ce serait tellement super. Oh, je peux t'appeler Chet. Non, et... non. En fait, je cherche du Blizon. Oh, moi, je sais où aller. Mais j'ai perdu mon bras d'accès dans toute cette eau. Il faudrait pomper. Mais comment, Ratch? Comment? Calme-toi. Je vais m'en occuper. Vu le risque d'inondation, ils ont sûrement placé les commandes de pompage en hauteur. Ratcho, tu n'as pas demandé, mais je m'appelle Brico, au cas où ça t'intéresserait. Moi, ça m'intéresse. Ravi de te connaître, Brico. Elle, c'est qui? Bonjour. Et pourquoi est-ce que vous cherchez du Blizon? On essaie d'entrer dans une autre dimension pour utiliser la forge à Rubion. Mais on en a une ici. Sauf qu'elle ne fonctionne plus depuis longtemps. Elle produisait des carrés vraiment marrants. Ah!
Ce bras d'accès est une sorte de clé. Par clé, tu entends un moyen d'appuyer facilement sur des boutons. Alors oui. Quoi? Des prisons? Oh, il y a un ascenseur droit devant qui va nous conduire à ce délicieux bras. C'est quoi ça? C'est Volt, mon meilleur ami. Il essaie de me tuer parfois, mais il a un don pour écouter les gens. Il essaie de te tuer? Si vous devenez ami avec lui, vous pourrez peut-être... Volstidia. C'est super ça. Ça claque, hein, comme surnom. De se balader dans la station, tranquille. Mais là, il a vraiment l'air de te pourchasser. Je suis trop jaloux. Nous y voilà, mon blison préféré de toute la station. Oh, j'adore. Et après, c'est...
Je crois que le moment est venu de se dire au revoir. Merci du coup de main, Brico. Le plaisir a été pour moi, Rara et Kiri. Dimension. Très drôle. Dites à George Bott de surveiller ses arrières demain. La forge à Rubion se trouve droit devant. Qu'est-ce que vous faites ici? Non. Alors, vous allez trouver ça drôle. Je ne te parle pas à toi. C'est à moi que vous parlez. Les accès sont verrouillés. Comment vous et votre monture êtes-vous entrés? Je suis venue inspecter cet endroit pour voir s'il est bien blanc et orange. Parce que je suis décoratrice d'intérieur de première classe. Et notre empereur voulait que je redécore tout pour vous faire une surprise à vous et à votre équipe. Mais voilà, vous avez tout gâché. Jamais je ne ferai une telle chose à l'empereur. Soyez les bienvenus. Je vais immédiatement effacer les bandes de mémoire. Bien joué, quitte la décoratrice. Et maintenant, on fait quoi? Nous pourrions discuter avec les chercheurs pour ne pas éveiller les soupçons. Ou nous diriger vers les commandes de la forge pour fabriquer le dimensionnateur. On dirait que les commandes de la forge sont sur cette plateforme, là.